Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. This was taught to me. And it changed the way I pray. It helped me overcome temptation. It's helping me to turn my focus from myself to the lost. Ça m'a permis de changer mon orientation qui était sur moi-même et vers les âmes perdues. I believe it will help you tonight. Et je crois que cette parole va aussi vous changer, vous aider. Not many people preach about the topic I'm about to preach. Ce n'est pas très souvent que l'on prêche sur ce sujet que je vais prêcher. Jesus Christ did. Et Jésus-Christ l'a fait. And I want to follow him. Et je veux le suivre. I'm stalling. Je vais gagner du temps. But now I'm going to do it. Mais vraiment là, je vais devoir le faire. What I want to talk to you is about the seven horrors of hell. J'aimerais vous parler des sept horreurs de l'enfer. And immediately we find them
in two different places. Et instantanément, nous les voyons dans la Bible dans deux endroits séparés. It says that Lazarus was in the bosom of Abraham. Et la Bible nous dit que Lazare lui reposait dans le sein d'Abraham. That's what was known as paradise in the Old Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est connu comme le paradis. And then we find this rich man. Et alors nous retrouvons l'autre homme riche. In torment. Qui est dans le lieu du tourment. And it says there was a great gulf that divided paradise and this torment. Et la Bible nous dit qu'il y avait un énorme fossé qui séparait ces deux endroits. This is what was known as Hades in the Old Testament and in the Gospels. Et dans l'Ancien Testament, les évangiles, c'est ce qu'on appelle l'Hadès. Hades was a three-part place. L'Hadès était un lieu qui se composait de trois parties. All of Hades was paradise. Il y avait le paradis. The great gulf. Le grand abîme. And torment. Et le lieu du tourment. And the rich man, he saw Lazarus and Abraham. Et l'homme riche, il pouvait voir Lazare et Abraham. And the scripture says he cried and said, Father Abraham. Et l'écriture nous dit qu'il a crié, Père Abraham. Have mercy on me. Aie pitié de moi. And send Lazarus. Et je te prie, envoie Lazare. That he may dip the tip of his finger in water. Pour qu'il puisse tremper le bout de ses doigts dans l'eau. And cool my tongue. Et qu'il puisse rafraîchir ma langue. For I am tormented in this flame. Parce que dans la flamme, je suis tourmenté. In hell. Dans l'enfer. People will burn. Les gens vont brûler. For eternity. Pour l'éternité. Constantly. Sans cesse. Every moment. Chaque instant. No escape. Il n'y aura pas d'issue. No end. Il n'y aura pas de fin. Their body racked with pain. Leur corps se tordait de douleur. The next physical horror. Et la seconde horreur physique. Is the horror of falling. C'est celle de tomber, de chuter. Every one of us has a natural instinct. Tous nous avons un instinct naturel. To catch ourselves when we fall. De nous rattraper à quelque chose quand on tombe. Seven times. Sept fois. Does the scripture refer to this place as the bottomless pit? L'écriture nous décrit cet endroit comme le fond de l'abîme. So not only will they be burning. Alors il n'y aura pas seulement le feu qui brûle. But they will be falling. Mais il y aura cette chute. For eternity. Pour l'éternité. No way to stabilize themselves. No way to stabilize. Il n'y aura aucun moyen de nous stabiliser. Nothing to hang on to. Rien à quoi nous pourrons nous accrocher. Just falling. Nous tomberons tout simplement sans cesse. And the next horror is darkness. Et la suivante c'est les ténèbres. So not only will you be falling. Alors, il n'y aura pas simplement cette chute constante. But you'll be in perfect blackness. Mais ce sera le noir total. There's a scripture that says there was a darkness that came into the land. Il y a une écriture qui dit que les ténèbres sont venues dans le pays. That was so black. Et qu'elles étaient si profondes. That it was painful. Que c'était même douloureux. So in eternity, we have people burning. Alors dans l'éternité, il y aura des gens qui brûleront pour l'éternité. Falling. Qui tomberont pour l'éternité. And in painful darkness. Et qui seront dans les ténèbres douloureuses pour l'éternité. And I wish that was the end of it. Et moi, vraiment, j'aimerais que ce soit qu'il n'y en ait pas plus. And before I go on, let me just make something very clear. Mais avant de continuer, laissez-moi clarifier un point. God has never. Dieu n'a jamais. Nor will he ever. Et jamais il ne voudra. Send any person to hell. Envoyer quelqu'un en enfer. Amen. Never. Jamais. Hell. L'enfer. Was created for the devil. L'enfer a été créé pour le diable. And his angels. Et ses anges. The only people that go to hell. Les seules personnes qui iront en enfer. Are the ones that choose to follow the devil. C'est ceux qui suivent de suivre, ceux qui décident de suivre Satan. Humans make a choice to go there.
Il faut faire un choix d'aller là-bas. God does not send anyone there. Parce que Dieu ne veut jamais envoyer personne là-bas. So that nonsense if God was a loving God. Alors ça c'est des idioties d'entendre. Mais si Dieu était un Dieu d'amour, then why would he send people to hell? Mais alors pourquoi est-ce qu'il enverrait les gens en enfer? He doesn't send anyone to hell. Dieu n'envoie personne en enfer. Humans choose out of their own free will. Mais c'est l'être humain qui de son libre arbitre choisit. It is in fact his love that gives us free will to choose. So not only these first three. But the next is unsatisfied lusts. Et la prochaine, c'est le désir jamais satisfait, la convoitise. So whatever you're dealing with. Alors peu importe ce par quoi vous traversez. Whatever you won't give to God. Peu importe ce que vous ne voulez pas donner, céder à Dieu. Whatever temptation keeps overcoming you. Peu importe la tentation qui vient sans cesse vers vous. Whatever thing